Salut tout le monde, c'est Manga Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une présentation de cartes Jumbo. Donc, ce sont des cartes Bleach. Donc, je vais vous en mettre une là, qui sont déjà dans des pochettes de protection. Alors, en fait, c'est les premières cartes Jumbo qu'il y a eu normalement. Donc, c'est Bleach Clear Visual Collection. Donc, il y a normalement trois collections de cartes Jumbo. Donc, j'en ai quelques-unes, je vais vous les montrer. Donc, ce ne sont pas les mêmes que les Clear Soul Plate. Mais ce sont des cartes jumbo. Donc voilà, je vais vous les montrer vite fait. Donc ça c'est la première. Voilà, moi je les range recto verso. Vous pouvez voir. Alors elles sont sorties certaines en 2006. D'autres peut-être plus tard. Non, j'ai que du 2006 là, je regarde. Ouais, donc en 2006. Ça c'était les premières. Continue. C'est une présentation assez rapide, hein. Elles sont quand même très belles, quoi. Donc elles sont toujours transparentes, un peu transparentes vu qu'il y a un fond blanc. Voilà quoi, vous voyez vraiment bien la carte. Façon, après je vous montrerai, j'en ai quelques-unes en double que j'aimerais échanger contre celles qui me manquent. Il y a quand même, je crois, une trentaine de cartes différentes. Un truc du genre, mais je peux pas vous dire le nombre exact, vu que c'est très vieux, j'ai pas réussi à me renseigner complètement dessus. D'après ce que je sais, normalement c'était des cartes qui sont trouvables dans les vending machines. Elles sont plutôt jolies quand même. Souvent des personnages. Elles sont un peu différentes, les clear sous plate. Il n'y a pas d'effet doré ou pseudo-argenté ou des trucs comme ça. Ce sont vraiment juste des jumbo simples en plastique. J'espère que vous voyez bien. Hop, celle-là elle est plutôt sympa. Avec toutes les nanas. C'est une de mes préférées. Voire ma préférée. Sinon, il y a. Vu qu'il y avait Yoroichi. Donc, carte en format paysage. Toshiro. En fait, ce sont des cartes format A5. Donc, du coup, ça, c'est des pochettes de classeur A5. Et là, Ichigo et Byakuya. Très vite fait. Donc, voilà, ce sont les seules que je possède. Une petite dizaine, voire douzaine. Et j'en ai quelques-unes en double. Donc ça, ce sont... Tout ça, ce sont mes doubles. Comme vous voyez là, si je mets sur du fond noir, c'est un peu différent. Vu que normalement, il y a ma main qui traverse. Là, on voit bien. Elles sont plus épaisses que les clear sous plate. C'est une autre matière. Vous voyez? C'est un peu bizarre. Ouais, donc ça, c'est mes doubles. Donc s'il y en a qui en ont à échanger contre certaines que je n'ai pas, elles sont toutes en excellent état. Voilà, limite, ça, c'est ma préférée, quoi. Je vais vous montrer mes doubles. J'en prends quand même soin. Bien sûr, j'ai celle-là en double aussi. Les classes et j'ai celle-là en double. Ben voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter, c'est gratuit. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!